Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en Asie occidentale pour vous faire visiter la Jordanie. Me voici arrivé à Amman et on va visiter la citadelle. Ici, nous sommes à l'amphithéâtre, nous sommes dans le centre d'Amman. Bien maintenant, je vais me rendre à 2 heures d'ici pour visiter les châteaux du désert. Je suis dans Amman, il faut savoir que la circulation est très dense. La superficie est à peu près de 1680 km² contre 105 km² à Paris, imaginez. Et bien me voilà arrivé au premier château du désert, et juste ici, Laurence d'Arabie habitait au 2e étage. Eh bien, je viens d'arriver au 2e château, Amra, le seul château qui est classé à l'UNESCO. Aujourd'hui, je vous emmène à Gerash, à 50 km au nord de Amman, une ville antique qui a été ensevelie par le sable pendant des siècles. C'est un petit peu le Pompéi, ici en Jordanie. Voilà, je suis arrivé au port du Jourdain, là où le Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, juste en face Israël, et juste après, direction la mer Morte. Eh bien, me voici arrivé à la mer Morte, le point le plus bas au monde. J'arrive au mont Nebo où Moïse est mort et enterré face à la Terre Sainte. Thank you.
viens d'arriver dans la ville qui abrite la 8e merveille du monde. Nous allons rentrer par le SIC qui a été formé par un tremblement de terre. Bienvenue à Petra. Voilà, je suis sur le site de Petra, je suis en train de monter les 800 marches qui mènent au monastère. Eh bien, je quitte Petra pour me rendre dans le désert de Wadi Rum et dormir à nuit. Après avoir passé nuit à Wadi Rum, qui est devenue une vraie industrie, vraiment, avec des hôtels partout, on se croirait dans les campings les uns sur les autres, j'étais assez déçu. Je vais passer enfin la journée dans le vrai désert. Retour à Amman et fin du voyage. C'est dans le désert de Wadi Rum que mon voyage en Jordanie se termine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.